Ceux qui ne sont pas là, ils auront la vidéo au niveau de YouTube. Alors bonsoir. Donc nous allons continuer avec l'injection et la surjection. D'accord? Mais maintenant, on va essayer de l'appliquer sur l'image directe. D'accord? Je pense que les écritures sont 3. Hein? Ouais, c'est 4. Alors, l'image directe. D'accord? Et image réciproque. Image réciproque. Image directe et image réciproque. Alors, oui, je suis en train d'enregistrer. Mais pas sur la plateforme, vous en avez un, mais aussi sur ma machine, vous en avez un autre. Celui qui est sur ma machine est beaucoup plus important, puisque c'est elle que vous pouvez écouter à n'importe quel moment aussi. Donc prenons une application qui va de E vers F. Une application. Et A et B deux parties de A et B deux parties du moins. A une partie de E et B une partie de F. Si on regarde bien, précision, le A ici doit être une partie de l'espace de départ. Là, B ici doit être une partie de l'espace d'arrivée. Donc, on va définir ce qu'on appelle l'image directe. Éteignez vos micros, ça dérange. Cher Tidiane, votre micro dérange tout le monde. Voilà, je l'ai désactivé alors. Alors, si la personne dérange trop aussi, je vais le mettre dehors. Ouais. Je le renvoie. Si quelqu'un maintenant veut savoir comment on renvoie, donc il n'a qu'à déranger. Hein. D'accord. Je fais seulement que bloquer son nom. Donc si je bloque son nom, il sort, il ne peut plus revenir. D'accord. À bon entendeur, salut. D'accord. Alors, ce qu'on appelle image directe.
Donc, c'est l'image d'une partie incluse dans l'espace de départ. Qui est, c'est l'ensemble des fonctions f de x, c'est l'ensemble des valeurs f de x du moins, tel que x soit dans quoi? Dans A. Donc, voici ce qu'on appelle image directe. Une notion fondamentale dans l'injectivité et la surjectivité. On verra ça tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle l'image réciproque. L'image réciproque. L'image réciproque, c'est quoi? Maintenant, nous sommes dans l'espace d'arrivée. Donc, on va noter quoi? F moins 1 de l'ensemble inclus dans l'espace d'arrivée égal F moins 1 de B. Alors, F moins 1 de B, c'est quoi? Y pris dans B. Tel que il existe un x. Pris dans l'espace de départ. Tel que lorsque tu fais f de x, tu tombes sur y. Autrement dit, c'est la recherche d'un antécédent. Ça, c'est les définitions. Il y a ce qu'on appelle les caractérisations. Une caractérisation est une notion qu'on utilise pour démontrer des assertions ou des théorèmes. Autrement dit, elles sont beaucoup plus manipulables, beaucoup plus maniables que les définitions en tant que telles, mais sont équivalentes aux définitions. La première caractérisation concerne l'image directe. Quand je traite de l'image directe,
je prendrai toujours Y. Je dirais qu'il appartient à l'image directe F de A. Y appartenant à F de A implique que je peux trouver un X appartenant à A tel que f de x soit égal à y. Voici ce qu'on appelle la caractérisation de l'image directe. Donc quand je fais une démonstration, je l'utilise. Ce qui est important de signaler, c'est que c'est le positionnement de A ici. Ici, voici la caractérisation de l'image directe. Maintenant, on va passer à la caractérisation aussi de l'image réciproque. La caractérisation de l'image réciproque, je pars toujours avec un antécédent. L'image directe, c'est une image que je cherche. L'image réciproque est un antécédent que je cherche. Donc, un antécédent est toujours dans l'espace de départ. Alors, je prendrai toujours un X pour le signifier. X appartenant à F moins 1 de l'ensemble B signifie, c'est pas une implication, mais cette fois-ci, c'est une équivalence plus forte qu'une implication. Dire que x appartient à f moins 1 de b signifie que quand tu fais f de x, regarde, f de x, cela est dans b. Cela est dans b. Donc, voici deux caractérisations qui veulent dire l'une l'image directe, l'autre l'image réciproque. Voilà. Donc, on va voir un exemple. D'abord, numérique. Et ensuite, si on a le temps, théorique. Algébrique, je dirais. Algébrique d'abord. Ensuite, si on a le temps, on verra ce qui est théorique. Prenons une fonction g étant définie de R vers l'ensemble des R. Je veux, par exemple, déterminer G de
l'intervalle. Moins 2, 4. Point virgule. J'ai 2. Zéro plus l'infini. J'ai moins 1. Non. Ouais, pour moi. J'ai moins 1, par exemple. L'image réciproque. 10 singletons moins 3. Je veux déterminer aussi Z moins 1 de l'intervalle ici, ensuite moins 1, moins de bruit, hein? On est en train de réfléchir. Plus l'infini. D'accord. Alors, un instant, je fais mes calculs. Alors, j'ai moins 1 de 2. J'ai moins 1 de 2. Qui s'engage en 2? Lui, tu vois. Ce soir, il est sorti, non? Ouais. Ouais. Donc voici ayant oublié aussi que la fonction va de x à, donc on ne peut pas chercher l'image directe et l'image réciproque sans pour autant définir notre fameuse fonction. Erreur gravissime. Donc la fonction c'est x au carré plus 2x moins 1. Donc voici la fonction g.
On se posera aussi la question, est-ce que j'ai injective ou subjective? Oui, ça c'est vrai. C'est en fonction, à mon avis. C'est pas possible. J'ai été injective ou subjective. Donc, on a la fonction g de x égale à x au carré plus 2x moins 1. Voici l'exemple que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ferons que ça. Je pense que bientôt, on va terminer comme ce chapitre-là. Alors, comment on raisonne? Donc, il faut... Quel est le domaine de définition de la fonction g? Bien. C'est l'ensemble de départ, R. On commence par le domaine de définition. Comme nous ne sommes pas en sciences mathématiques, donc il n'y a pas de détails sur DDF. Tout le monde sait que DDF égale à R. Ensuite, on va passer aux limites aux bornes. Les bornes ici, on sait que c'est plus l'infini et moins l'infini. Oui, D de G. Alors d'abord, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est combien? Parce qu'on utilise le monôme de plus haut degré. Ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini, l'autre borne. Quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est toujours égal à plus l'infini. Mon nombre du plus haut degré toujours. Après limite aux bornes, la fonction f est dérivable. Mais ce n'est pas la dérivabilité qui nous intéresse ici. Nous ne sommes pas en analyse. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement la dérivée. G prime de x, c'est combien?
c'est 2x. Très bien, plus 2. Certains ne savent pas faire des calculs de dérivés, ce qui est à mon avis extrêmement grave. D'accord? Venant des MAI, ceux qui ont dit 2x plus 1 quand même est grave. Ceux qui ont dit x plus 2 aussi, c'est extrêmement grave de leur part. Donc, on va mettre égal à 0. Alors, si j'ai prime égal à 0 implique que x égale à combien? Dérangez pas. Oh là là, je vais partir, hein? Parce que si c'est du bruit, moi je vais partir là. Je vais fermer, arrêter le cours et partir, quoi. Fermez vos micros. Bon. C'est qui? Alors, la prochaine fois que quelqu'un nous dérange, parce que j'ai cherché, j'ai pas vu c'est qui. La prochaine fois que quelqu'un nous dérange, alors si je le trouve, il sort. Si je le trouve pas, moi-même j'arrête le cours jusqu'à un autre jour. Voilà, jusqu'à la semaine prochaine. D'accord? Donc, si c'est là pour bavarder ou bien pour déranger les gens, quand même, ils n'ont qu'à rester chez eux. D'accord? C'est pas correct ça. Les gens font cours, les gens se dérangent. C'est pas correct. D'accord? Donc, si tu as envie de discuter, tu éteins ta machine, tu pars discuter ailleurs. Non, tu pars discuter ailleurs. J'ai cherché, je ne sais pas c'est qui. Mais s'il nous dérange encore à nouveau, donc si je parviens à voir c'est qui, de toute façon, je vais renvoyer définitivement des cours. Définitivement. Voilà. Donc, ce qui fait que x est égal à moins 1. Ensuite, on fait le tableau de variation. Tableau de variation. G. Là, on a moins l'infini. Oui. Cher a bien répondu. Réfléchis, parce que tu fais MAI. C'est grave quand il nous dit que X, d'où vient moins 1. C'est grave pour quelqu'un qui fait MAI. C'est très grave. Oui, je pense que si tu demandes cette question, c'est parce que tu n'as pas le niveau pour être ici. Je suis désolé, monsieur, madame. Je ne sais pas si c'est madame ou monsieur. Mais c'est grave ce que tu as demandé. D'accord?
si on a moins 1, la racine. Donc là, les g' s'annulent. Donc entre moins 1 et 1, quel est le signe? Entre moins l'infini et moins 1, le signe c'est? Donc entre moins 1 et plus l'infini, le signe c'est? Donc là, c'était quoi? Centre. Qui parle? Heureusement qu'il y a 100 personnes, parce que s'ils trouvent celui qui parle, et s'ils trouvent celui qui parle, je... Voilà, donc j'ai ressorti. Ensuite, le centre. Alors, j'ai de moins 1. Alors, on a g de moins 1 égale à 1 moins 2 moins 1. Ça fait moins 3. Donc, c'est moins 2. Là, c'est plus l'infini. Là aussi, c'est plus l'infini. Donc, voici le tableau de variation. C'est à partir maintenant du tableau de variation que je vais répondre à mes questions. Le premier, c'était G de combien? G de moins 2, si je me trompe, 4. Égal. Moins 2 est ici. Alors, G de moins 2, c'est combien? G de moins 2. Ok, 4. Ensuite, G de 4. Ici, je mets 4 en haut. G de 4, c'est combien? G de 4. C'est 23. D'accord. Donc, le G de moins 2 à 4. D'accord, on voit que il faut aller de moins 2 à moins. De moins 2 à moins 1. Donc de moins 2 à moins 1, c'est combien? C'est l'intervalle. Moins 2, 4 ici. D'accord, le résultat, il faut regarder en bas. Donc c'est moins 2, 4.
Voilà, on met moins de 4. C'est fermé. Donc, on aura moins de 4. Union. Par exemple, on ouvre ici. Union. Non, c'est fermé en 4. Oh mon Dieu. Union. On regarde là-bas encore. Mariam Mal. D'accord. Union. Alors, c'est maintenant de moins 1 à 4. Alors, de moins 1 à 4, son image, c'est combien? Le moins 1 à 4, son image, c'est moins 2, voilà. C'est moins 2, 20, 23. Donc, on va encore écrire moins 2, 23. Union. Moins 2, 23. Voilà. Donc, le résultat, c'est combien? Alors, moins 2 à 4, union, moins 2, 23. Donc, je pense que quand on regarde nos cahiers de cinquième, normalement, union de deux intervalles, donc ça doit donner moins 2, 20, 23. Comme résultat. Normalement. Donc, classe de cinquième. Union de deux intervalles. Donc, voici comment on détermine le premier. Alors, le second, c'était combien? G moins 1 de combien? G de combien? De 0 plus l'infini. Alors, si on se trompe, c'est pas grave. Comme vous avez compris comment on fait, c'est pas grave. Si on s'est trompé, c'est pas grave. Mais je pense qu'on s'est pas trompé. Voilà. G moins 1, G de moins 2. Ils m'ont dit que c'est égal à moins 2. Hein? Ils m'ont dit que c'est égal à moins 2. G de moins 2. Attends, on va calculer. G de moins 2 égale. Alors, G de moins 2, donc, c'est Mariam Mal, s'il vous plaît, dites à Mariam Mal de ne pas nous déranger. Mariam Mal, il n'a qu'à nous dimbaler. Mariam Mal, nous dimbaler. Soit il fait court, mais attends, je vais écrire à l'administration pour que Mariam Mal cesse de faire de déranger. Regardez-moi ça, personne n'entend. Voilà, donc c'est moins 1, vous avez dit, moins 1 alors. D'accord? Voilà, donc, alors ici, l'union va nous faire quoi? Donc, de moins 1 à 4. Donc, ça va nous faire, alors, donc ici, il y aura moins 1, non? Dans ce cas, ça change, hein? Donc, c'est de moins 1 à 20, à 23. Normalement, donc c'est de moins 1 à 20, à 23. Donc, c'est de moins 1 à 23. De moins 1 à 23, oui. Non, non. Je ne sais pas trop. Moins 1 à 23, oui. Hein? J'en ai de faire cours là, oui. Ça, c'est un cours que j'ai fait en ligne, oui. Il était ouais, il était là, mais il est sorti. Il est sorti. Monsieur Soiré.
Monsieur. Oui, c'est là. Regardez. Donc, c'était jet de combien? L'intervalle 0 plus l'infini. Et refermons la porte là, ça fait beaucoup de bruit là, on arrive. Alors, on va voir 0 plus l'infini. On va le placer où ça? 0, je le place avant le moins 1 sur l'axe de x. Hein? Là, c'est l'axe de x. Donc, le 0, normalement, on le place ici. 0 est là. Alors, le g de 0, c'est combien? G de 0, c'est combien? Alors, g de 0, oui, c'est moins 1 normalement. Ok. Voilà. Ensuite, plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, g de 0 à plus l'infini, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, la fonction est bien décroissante. Donc, quand tu dis que c'est moins 1 à plus l'infini, c'est faux. Parce qu'il faut d'abord passer par la racine. Donc, il faut d'abord faire 0 jusqu'à moins 1. Donc, de 0 à moins 1, l'image, c'est combien? C'est l'intervalle moins 2, ici en bas. C'est moins 2 moins 1. Ah oui, excusez-moi, j'ai mal placé le 0. Okay. Oh là là, donc on retourne en arrière un peu, en arrière, ok, merci beaucoup, j'ai pas bien regardé là, donc en arrière, ok, d'accord, merci beaucoup, je me suis trompé lourdement d'ailleurs, j'ai mal placé le 0, d'accord, voilà, donc le 0 est là, la fonction, pour ceux qui le demandent, c'est x au carré, plus 2x, moins 1, que ce soit la dernière fois qu'on me le demande là. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre, il faut être à l'heure. Il ne faut pas être en retard et venir nous déranger ici. Vraiment. Certains aussi vraiment dérangent quoi. Donc, g de 0, c'est combien? G de 0, vous avez trouvé moins 1, d'accord. Voilà. Donc, moins 1, on voit que de 0 à plus l'infini, la fonction est strictement monotone. Donc, comme c'est monotone, ici, on ne passe pas par l'image, donc c'est égal à, c'est de moins 1 à plus l'infini. Donc, ici, j'ai de 0 à plus l'infini, c'est ça, l'image. Donc, c'est de moins 1 à plus l'infini. Donc, on remplit moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. D'accord? Alors, regardez bien ces deux-là. Faut les différencier. Hein? Ces deux-là, il faut les différencier. Parce que regardez, lorsqu'on faisait g de moins 2 à 4, regardez comment on a raisonné. Voilà, regardez comment on a raisonné. On s'est dit que, regarde. Alors, on va se demander pourquoi on est passé par moins 1. Alors, pourquoi on est passé par moins 1? Parce que la fonction n'est pas strictement monotone. Là-bas. Ici, la fonction n'est pas strictement monotone. Comme la fonction n'est pas strictement monotone, alors là, il faut passer forcément par moins 1. Voilà. Donc, la fonction est croissante sous l'intervalle moins 2, moins 1, ensuite décroissante sous l'intervalle moins 1, moins 2.
moins 2, moins 1. Ensuite, croissante sous l'intervalle moins 2, non, moins 1, 4. Donc, la fonction là-bas n'était pas strictement monotone. Voilà, très bien, mon Modouyan. Ensuite, le suivant, c'est quoi? L'image directe suivante. Alors, c'est le G du singleton ou G moins 1. Alors, retourne ici pour voir. Alors, c'est Z moins 1 du singleton moins 3. Z moins 1 du singleton moins 3. Alors, nous sommes maintenant dans l'espace d'arrivée, parce qu'on parle de Z moins 1. D'accord. Alors, moins 3. Moins 3, où est-ce qu'on peut le placer dans l'espace d'arrivée? Moins 3. Alors, je pense que moins 3 dispose, oui, de deux placements. Parce que ici, je peux mettre moins 3. Donc ici, on peut mettre moins 3. Là aussi, on peut mettre moins 3. Non, là. Donc c'est moins 2, moins 3 ici encore. Là aussi, on peut mettre le moins 3. Donc ce qui fait que le moins 3 doit admettre combien d'antécédents? Le moins 3 aura quoi? Voilà, on a deux antécédents. On a deux antécédents. Alors, pourquoi on peut placer moins 3 deux fois? Parce que regardez, de moins 2 à plus l'infini, il y a moins 3. De moins 2 aussi à plus l'infini, à votre droite, il y a aussi moins 3. Donc, le moins 3 peut être placé deux fois. Voilà. Le moins 3 peut être placé deux fois. Donc, maintenant, pour trouver le G, la première solution qui est là et la deuxième solution, donc, on va directement utiliser la définition de l'image réciproque. La définition de l'image réciproque, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui sont dans R, tel que g de x, donc g de x égale à y, hein? C'est-à-dire que g de x égale à moins 3. G de x doit appartenir. Bien, on met appartient à appartient au singleton moins 3. On utilise la caractérisation. Ah, vous avez raison, hein? Oui, il a raison, Kay. Il a parfaitement raison. Oui, il a parfaitement raison. Il n'y a pas moins 3. Il a parfaitement raison. Voilà. Donc, on va mettre quoi ensemble? Vide.
il a parfaitement raison, hein? Parce que je pense bien, attendez, de moins 2 à plus, oui, oui, vous avez raison, oui, ah, vous êtes un grand mathématicien là, très bien, oui, oui, vous avez raison, merci beaucoup, je me suis trompé, merci. Merci, d'accord. Vous êtes très grand mathématicien, très bien, je vous félicite. D'accord. Ouais, mais le 4. Le 4 est bien dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Hein? Alors, où c'est une 6? Toi aussi. C'est moins 3 qui n'est pas dedans. Il faut bien regarder. C'est moins 3 qui n'est pas dedans. Quand tu vas regarder la vidéo, tu vas voir qu'on a raison. C'est moins 3 qui n'est pas dedans. Ils ont raison que, moins, que 4 est bien là-bas. 4, c'est bien ça. Ouais, c'est bien là-bas. On s'est trompé. Donc, là, moins 3, c'est ensemble vide. Alors, ensuite, on a demandé G de combien? Ouais, G de moins 2, c'est moins 1, on a rectifié ça depuis longtemps. Votre machine est en retard. Certains ont des machines qui sont en retard. Alors, vous allez rectifier. S'il y a des erreurs, vous rectifiez. S'il y a des erreurs de calcul, vous rectifiez. Les calculs que personne ne nous signale qu'il y a des erreurs de calcul. Ça, c'est vraiment du niveau terre à terre. On m'a donné des valeurs, donc j'ai pris. Point. Alors, ensuite, on a besoin du G moins 1. De l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ok. Donc, on a G moins 1. Cette fois-ci, de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ouais. Ce que vous êtes en train de signaler, ce sont des erreurs secondaires. Donc, ne vous attardez pas sur des erreurs secondaires. D'accord? L'essentiel, c'est de comprendre. Vous êtes en train de vouloir retarder un cours pour des choses secondaires. Donc, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant mieux. D'accord? Voilà. Il faut comprendre seulement à mon fal. Le reste n'a pas d'importance. Aïe, mon fils moins 1, là, aïe, fils moins 40, là, n'en est que moins 1000. Ah. Donc, G moins 1 de moins 1 plus l'infini. Alors, vous êtes vraiment. Ils sont en train de vouloir retarder un cours pour des. Vraiment, pour des. Si c'est. En tant que. On fait des maths ici, hein. On fait des maths. Ça, c'est les choses les plus terre à terre qu'on peut avoir. On n'est pas encore arrivé dans les choses difficiles. C'est les choses les plus terre à terre. Donc, s'il y a des problèmes de phi 1 là, phi moins 1 là, vraiment, on nous demande quoi? Oui, l'essentiel c'est de comprendre. Voilà. Voilà. L'essentiel c'est de comprendre quoi. S'il y a des erreurs de calcul, vraiment, nous n'avons pas les erreurs de calcul. Donc, allons-y. Pour le G moins 1 de l'intervalle moins 1 plus l'infini, on est dans l'espace de départ ou l'espace d'arrivée? On va prendre l'espace de départ ou l'espace d'arrivée? Donc, on a parlé de G moins 1. Donc, G moins 1. Donc, on va travailler avec l'espace d'arrivée.
d'arriver. Ici, on parle de Z-1. Très bien. Donc, à chaque fois qu'il y a Z-1, donc on va d'abord placer moins 1 sur notre graphe. Alors, moins 1. Est-ce que moins 1, on peut le placer là-bas? Oui, je pense, hein? Oui, moins 1. Oui. Moins 1, on l'avait placé même. Alors, moins 1 peut se placer combien de fois? Deux fois. Il n'y a pas de exemple là. Moins 1 est là. On peut le placer ici. Son image. Ici. Là aussi, on peut placer moins 1 ici. Donc ça va nous donner ici. Donc là aussi on peut placer moins 1 hein, ici. Alors donc on va d'abord calculer le G moins 1 de moins 1. Donc l'antécédent de moins 1. L'antécédent de moins 1. Mamadou Yann, tu as calculé déjà? Tu penses, on a, vous êtes très rapide en besogne, mais je pense que ce n'est pas ça. Le z moins 1 de moins 1, donc il faut faire g de x égale à moins 1. G de x égale à moins 1, donc on aura quoi? X au carré, oui, plus 2x, oui, moins 1 égale à moins 1. Donc, ce qui fait, ici, on aura x au carré plus 2x égale à combien? Égale à 0. Donc, ce qui fait qu'on aura ici x facteur de x plus 2 égale à 0. Donc, x égale à 0. Voilà. X égale à 0 ou x égale à moins 2. Très bien. Ou x égale à moins 2. Donc, on le place là-bas. Alors, moins combien? Alors, le moins 1, soit c'est 0, ici, c'est déjà fait, soit c'est moins 2, ici. On place ici le moins 2. Donc, l'image réciproque de moins 1 à plus l'infini, là, c'est combien? De moins 1 à plus l'infini, là-bas. On regarde en haut, c'est de 0 à... C'est de 0 à plus l'infini. Donc, ensuite, à votre gauche, de moins 1 aussi à plus l'infini. Son image réciproque, c'est combien? Très bien, c'est de moins 2 à... Non. C'est de moins l'infini, du moins. C'est de moins l'infini à moins 2. Très bien. Voilà, donc on aura moins l'infini, moins 2 comme résultat. Donc on aura moins l'infini, moins 2. Union. Union. On ferme ici. 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. Voilà.
Je pense que les calculs sont compliqués, hein, mais vous avez compris quand même. D'accord? Donc, ce que je veux dire, vous avez compris. Les calculs quand même sont compliqués. Et puis, le schéma aussi n'est pas trop clair. Hein. Oui, je reconnais que le schéma n'est pas trop clair, mais ça va quand même. Hein. Voilà. Ouais, le schéma est trop brouillon là. Mais bon, ça peut aller. D'accord, ça peut aller. Voilà, ça peut aller quoi. Ouais. L'essentiel, c'est de comprendre. D'accord. Donc, ensuite... Donc, le G moins 1 de 2. Non, on ne peut pas changer le tableau, toi aussi. Comment on peut changer le tableau? Il est l'heure. Il est presque l'heure. On change le tableau, toi aussi. Comment on peut changer de ce tableau? Il est l'heure, toi aussi. Comment on change le tableau? Comment on peut changer le tableau? Comment on peut changer le tableau? Il est l'heure, moi, on change le tableau. On ne change pas le tableau, hein? Voilà, donc on a posé aussi de G moins 1. À mode fall. Oui, si tu veux. À mode fall. Oui, si tu veux. Voilà. Voilà. J'étais en train de regarder votre vidéo sur, sur l'algèbre avec les tables de vérité. Mais quand même. J'ai vu quelqu'un dire, bon, nous on ne comprend pas ce que le gars il fait. Mais bon, c'est pas la même méthode qu'il utilise. Hein? C'est pas la même méthode. Donc lui, bon, il passe par les lignes, vrai. Je sais pas, mais un étudiant quand même lui a fait remarquer que on pouvait faire vrai, faux, vrai, faux, et utiliser 2 à la puissance n moins 1k, qui est beaucoup plus rapide. Je vais lui signaler ça. Il n'a pas bien compris ce que vous voulez lui dire. Il n'a pas bien compris. Donc, G moins 1 de... Maintenant, il reste à savoir ce que Amadou Fall appelle à per restriction. Waouh, il reste à savoir aussi ce qu'il a per restriction. Il reste à savoir aussi ce qu'il a per restriction aussi, Amadou. Attention, il reste à savoir ce que tu appelles restriction. Oui. Donc le G moins 1. De quoi? Du singleton 2. Non, c'est du singleton 2, hein? Oui, 2. Par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui sont dans l'espace de départ, R, tel que... Alors, Mamblena n'avait pas compris. Mamblena, quand même... Vraiment, n'avait pas compris ce que M. Bass faisait. Manakotei, t'as dit que M. Bass faisait. Vraiment, Léna n'avait pas compris. Elle dit non, on pouvait passer par là-bas. C'est beaucoup plus simple. L'autre l'a dit, bon, de toute façon, de toute façon, c'est beaucoup plus simple. L'enseignement est une question de pédagogie. Oui, une question de pédagogie. Si tu comprends ça, tu ne seras pas fatigué. Donc, G de X. G de X égale vraiment, j'ai regardé votre cours, mais quand même, j'ai senti que vous étiez un peu frustré. Vous n'étiez pas content du tout. Vous n'étiez pas content du tout. Donc, appartient à. J'ai été même frustré, hein, parce que Mamblena a dit non. on pouvait faire. Oui. Oui, il est venu revenir là. Il a pris ça, oui. On pouvait faire ça. J'ai senti quand même qu'il y avait la frustration à l'intérieur. Mmh.
D'accord. Alors g de x appartient à l'ensemble de. D'accord. Alors on va la déterminer. Donc on avait dit que x appartient à g moins 1 de b implique que f de x appartient à b. Alors le implique, oui, f de x appartient à b. Donc le f de x ici c'est g de x. Donc g de x appartient à 2 par définition, quoi. D'accord. Donc on va résoudre d'abord, on va déterminer ça. G de x égale à 2. Ça signifie quoi? Égal. Donc on aura x au carré plus 2x ça s'est planqué là. Moins 1 égale à 2. Donc, ils me disent que x égale à moins 3, calculé pour être d'accord, est-ce que c'est ça? X égale à moins 3 ou x égale à combien? À 1. Voilà. Le delta, c'est combien? Calculer le delta, c'est combien? Ok, d'accord. Donc le g moins 1, on va remplir. Donc le g moins 1 de l'ensemble de professeur. Je trouve. Dans l'ensemble 2 égale. Ouais, on a moins 3. Point virgule. On a 1. D'accord. On a moins 3. On a mode Diouf. Dans le Diouf, tu peux passer par là où tu veux, hein. Voilà, tu peux passer par là où tu veux. Soit tu acceptes ce que je t'enseigne, soit tu n'acceptes pas ce que je t'enseigne. Tu vas faire autre chose aussi, hein. Voilà. En tout cas, moi, je suis le professeur. Voilà. Dans le job, si tu n'es pas d'accord de ma méthode, tu peux faire autre chose. Il n'y a pas de problème. Voilà. L'essentiel, vraiment, c'est que moi, laisse-moi faire mon cours. Donc, si tu peux passer par A plus B égale à 40, je pense que c'est A plus B égale à 40. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. Voilà, très bien. Amour, il y a plusieurs méthodes là-bas. Il y a plusieurs méthodes. Sinon aussi, tu passes par la définition. Moi, je ne suis pas passé par la définition. Donc, je suis passé par les tableaux de variation. D'accord? Monsieur, ce n'est pas moins 3, c'est 3. Non, ils m'ont dit moins 3. Ok, 3. Ah, c'est moins 3. C'est pas moins 3. C'est moins 3, toi aussi, c'est moins 3. Ouais. C'est moins 3. Bon, s'il y a des erreurs aussi, rectifiez, pas de problème. Vraiment, boys première année, ils sont compliqués. Oh, ils sont très compliqués, les boys première année là. Exercice. Maintenant, bon. Est-ce que la fonction f est injective? Est-ce que f est injective? Est-ce que f est injective? Et pourquoi? Très bien. Donc, g n'est pas injective. Pourquoi? Parce que moins 2. Non, parce que 2. Admet combien d'antécédents? 2 admet combien d'antécédents? Voilà, 2 antécédents qui sont comment? Qui sont différents? Qui sont différentes. D'accord? Donc, G n'est pas injective. Très bien. Donc, on regarde pour l'injectivité les antécédents.
OMG n'est pas injective. Car deux admet deux antécédents distincts. Ouais, ouais, deux antécédents distincts. Deux antécédents distincts. Quand j'ai cours à 17h à la fac des sciences là, je disais cours à 17h à la fac des sciences là. Donc ça c'est l'injectivité. Ensuite, est-ce qu'elle est surjective? Est-ce qu'elle est subjective? Et pas, je pense qu'ils sont pas perdus là. Est-ce qu'elle est subjective? Non, je suis pas d'accord. Elle n'est pas subjective. Pourquoi? Parce que moins 3 n'a pas d'antécédent. Awasen, on ne dit pas ni injective ni surjective. Non. On ne dit pas ça. Donc, injectivité c'est à part, surjectivité c'est à part. Voilà. Je vois souvent des gens faire cette erreur. Ils vont dire, bon, tel n'est pas injectif direct, donc n'est pas subjectif. Non, c'est faux. Elle l'a mis de l'autre. Donc, elle n'est pas subjective aussi. G n'est pas subjective. Bon, n'est pas subjective. Car moins 3 n'a pas d'antécédent. Très bien, Isa. Donc, j'ai vu les exercices rendus. Vraiment, les gens sont très bien en algèbre. Très bien encore. Donc, je vous félicite vraiment des exercices que vous avez trouvés. Très bien. Donc, mais il faut rendre très tôt pour être corrigé très tôt. Si tu ne rends pas très tôt, tu ne seras pas corrigé très tôt. D'accord? N'a pas d'antécédent. Est-ce que c'est ensemble? Vide. D'accord, voilà. Maintenant, exercice d'application ici. Exercice. Oui, celui qui parle là, il n'a qu'à faire moins de bruit. Vraiment, il faut faire une réunion pour que ceux qui viennent en salle, que quand on vient en salle de TD, ne pas qu'on fasse beaucoup de bruit. Ah, vraiment. Certains parlent là-bas, parlent ici. Non, quand même. Voilà, donc vous prenez la fonction exercice. Exercice. Oui, vraiment, ou moi, s'il te plaît. Hein? Vraiment, moins le bruit. Exercice. Moi, je vais prendre exemple. Tellement bruit, bien. Il faut faire moins de bruit. Avec les cours en ligne, là. Moins de bruit. Exercice. Voilà. Alors, vous prenez la fonction G.
vers R. Dx, on associe x au carré, les cours en salle de TD là, c'est la première année, parce que la deuxième année là, vous ne faites pas des cours en salle de TD. Hein. Là, vous êtes assez grand pour faire des cours vous-même. Plus 2017. On n'envoie que des TD, que des vidéos. D'accord? Il n'y a que des vidéos que j'envoie. Je ne fais pas des TD comme ça. Donc, premièrement, calculer G calculer, il faut rendre très tôt les exercices, il faut rendre très tôt, faut pas dormir bon heure boule nerf n'y aura un exercice aussi. Bon, ça va. G de l'intervalle moins 2, 3. G de l'intervalle, l'image directe de l'intervalle. Donc aujourd'hui on va arrêter à pile parce que j'ai cours à 17h à la faculté des sciences là. C'est un peu loin là. Faut que je perde 10 minutes là. Donc, G de l'intervalle moins l'infini 1. Ensuite, G de l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième question. G moins 1, vous calculez G moins 1 de l'ensemble 2017. Et le G moins 1, Astudiouf, vous avez rendu une passe vide dans vos TD. Astudiouf, je ne sais pas si elle est là. Donc, G moins 1 de l'ensemble du singleton 0. Ensuite, troisième question. G est-elle injective? Est-elle injective et surjective? Oui. Injective et surjective. Alors, ceci étant, ok, d'accord. Alors, le cours est terminé ici aujourd'hui, donc vous allez essayer de faire et de rendre ça au niveau du forum de partage. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes pour rendre les exercices,
Il faut voir la dimension de la photo de votre appareil téléphone. Donc le téléphone, si l'image est trop grande dans le téléphone, quand tu le mets ici, ça ne va pas partir parce que c'est là, ça n'accepte que 500 KO. C'est à cause de ça. La plupart qui n'ont pas rendu, c'est parce que ça a dépassé ça. Donc dans ce cas-là, tu prends ton appareil, tu vas encore régler pour que ça fasse petite image. Ensuite, tu photographies encore et tu envoies. C'est comme ça que ça se fait. D'accord? Sinon, si ça déborde. Monsieur, comment on rend les TD? Comment on rend les TD? Je pense que tout le monde sait faire. Et puis, il y a une vidéo sur ça qui est au niveau du forum de partage. Donc, il faut voir cette vidéo-là. Oui, le cours sera disponible sur YouTube bientôt. Ouais. Donc, voilà. On a fait 1 heure, 21 minutes, 51 secondes. Merci beaucoup. Je vous remercie. À très bientôt.